Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite MGB, début des années 70. Et c'est une petite MGB d'origine américaine qui se présente à vous dans un état absolument parfait et qui plus est, très bien équipée au niveau de ses accessoires. Déjà là, je vous fais profiter du couffe-tonneau. C'est pas régulier que nous ayons ce type d'accessoires sur des petites MGB et celle-ci, comme vous pouvez le voir, il est tout neuf et il est de très très bonne qualité. Il n'est pas en sky, il est en tissu et franchement, il est tout neuf. Et j'avoue que sur une petite MGB, ça finit bien le travail. Quand vous vous déplacez, vous pouvez positionner des affaires sur le côté passager. En particulier pour ces dames, quand elles se promènent, elles peuvent mettre leur sac à main. Je vous montrerai un peu comment on fait. Mais néanmoins, regardez cette voiture, elle est absolument magnifique. Elle est donc d'une couleur rouge. Elle est équipée également d'une capote qui est neuve. Et on a ici une auto qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment très belle. Alors, dans un premier temps, voilà le système du couffe-tonneau. Quand vous conduisez, eh bien moi, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vous mettre dans cette position. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre vos affaires sous le siège quand vous voulez être tranquille. Et donc, c'est vrai que pour ces dames, c'est quand même pas négligeable. La voiture est équipée de deux rétroviseurs. Vous avez également des roues à rayons qui sont également neuves avec des pneus neufs. La voiture au niveau carrosserie est absolument immaculée. Je n'ai rien à dire. Elle est en parfait état. Tout ce qui est feu, clignotant, pare-choc, tout est récent, neuf. La calandre, j'aurais juste un petit indice. C'est le dessus de la calandre ici qui doit être une pièce à mon avis en zamac assez compliqué à retrouver, qui a pris un petit peu de, dirons-nous, d'ancienneté, mais bon, c'est peut-être le logo d'origine. Mais sinon, la voiture, les alignements de porte, les baguettes, tout est très très bien positionné sur cette voiture, ce qui nous donne donc ici un produit prêt à rouler qui a une couleur un peu rouge foncé. J'essaierai de détailler plus sur la fiche technique la couleur exacte, puisque cette voiture, je viens de la recevoir et on est un petit peu en rupture de stock en MGB et on a de la demande. En plus, on a une météo qui vient d'être beaucoup plus clémente ces derniers jours et je pense qu'en rentrant de congé, certains ont peut-être envie de se faire un petit plaisir. Et ben voilà, c'est vraiment la petite auto qu'il faut. Alors, on est sur une version américaine, donc on a le tableau de bord américain. Donc, la voiture est en miles et ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle a des sièges en cuir. Ça, c'est vraiment super. Ils sont hyper enveloppants, très confortables. Tout ce qui est moquette également a été changé. Vous avez également les panneaux de porte qui sont neufs. Et la voiture est vraiment très sympa. Alors, je vais ouvrir la deuxième partie du couffe-tonneau qui va vous permettre donc de voir de façon plus complète l'intérieur de la voiture. Voilà. Alors, évidemment, le couffe-tonneau se range derrière les sièges. Comme ceci, voilà, vous avez la petite fermeture éclair pour éviter que ça vaille, voilà, superbe. Et donc, c'est une 4 vitesses, mais en plus, et ça c'est très intéressant, vous avez un overdrive. Alors, certains vont me dire qu'est-ce que c'est qu'un overdrive. En fait, c'est une 5e vitesse qui n'est pas de façon habituelle au levier de vitesse, mais c'est une vitesse qui s'actionne au niveau du Komodo qui est ici, et donc c'est une, on va dire, une petite vitesse un peu électrique. Et sur une petite MGB, c'est pas négligeable quand vous faites de la route, parce que ça vous permet donc de soulager le régime moteur et par conséquent d'avoir des couples moteurs plus sympas à rouler avec une voiture qui reste dans les 3000 tours à haute vitesse, qui est quand même tout à fait intéressant au niveau mécanique. Donc cette voiture, on va ouvrir le moteur, profiter du tableau de bord, donc je vous regarde en même temps le kilométrage, hein. Bon, elle affiche 26 000 miles, c'est affichage compteur. Vous voyez que la moquette est propre, tout est vraiment en parfait état. Vous avez un coupe-circuit derrière la banquette, tout ce qui est moquette, tout est neuf. Voilà, ici tout est neuf, absolument parfait, avec les petits boutons pression pour tenir la moquette sur la partie arrière. Et cette voiture a eu des petits aménagements qui me plaisent beaucoup. Alors déjà, version américaine, vous avez trois essuie-glaces. C'est très généreux sur cette voiture quand on voit la taille du pare-brise. Et chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'ils ont monté le capot sur vérin. Et j'avoue que c'est vachement convivial.
beaucoup plus simple à ouvrir et le capot du coup s'ouvre beaucoup plus haut et ainsi on a un moteur beaucoup plus accessible. Alors voilà la mécanique, c'est un 1800 qui a été révisé avec deux carbus SU. Donc c'est un moteur qui développe aux alentours de 94 chevaux et on a le radiateur d'huile, le radiateur d'eau. Tous les équipements sont récents, elle est avec un alternateur, tout ce qui est allumage, etc. a été refait, on est en allumage électronique. On a également des bonnes durites de refroidissement d'huile. Vous voyez que c'est propre et c'est très sain. Le compartiment moqueur est très propre, idée de la couleur de la voiture. Le chauffage également a été changé, les durites sont également en très bon état. Et cette voiture tourne à merveille. C'est vraiment une très très belle auto. On a bien les numéros qui correspondent à la carte grise. Cette voiture sera livrée donc avec une carte grise collection. Toujours faire attention quand on ferme le capot d'une MGB. Voilà. Et je vais vous montrer également la malle arrière. Donc des sièges très confortables. Et au niveau de l'arrière, pareil, sur vérin. Vous avez donc ici de la place pour la roue de secours et vous avez ici tous les équipements. La capote est neuve, c'est une capote de très belle qualité. Et vous avez également les arceaux et vous avez le cric d'origine dans son rangement. Tout est absolument parfait au niveau des bas de caisse, au niveau des ailes. On vous mettra des photos sur le pont de cette voiture. Voilà, très belle auto. Alors, on n'a pas de pare-soleil sur la voiture. Bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez rajouter, mais j'avoue qu'une MGB sans les pare-soleil, c'est beaucoup plus joli. Et je vais donc débarrer cette auto. La clé de contact se trouve ici. Et ça fait un petit bruit très sympa. Donc tableau de bord américain, donc on a ici ventilation, ici c'est le starter. Il est assez complet, contour, jauge, essence, lumière. Quand l'overdrive est branché, vous avez un petit témoin rouge qui vous informe que vous êtes en cinquième vitesse. L'overdrive s'actionne sur la troisième et la quatrième vitesse. Vitesse, température et différentes commandes pour la ventilation, le chauffage. Boîte à gants complète avec un petit stylo retouche, des petits fusibles. Voilà. Vous avez encore le numéro de série qui est ici sur le haut du tableau de bord. Et voilà cette petite voiture qui tourne très bien. Qui a donc maintenant la possibilité de vous appartenir. Nous nous occupons de toutes les formalités. N'hésitez pas. Merci et à très bientôt.